Bonjour, je m'appelle Didier Roustan et avec la mairie de Poissy, son maire Carl Olive et ses équipes, nous avons mis sur pied une académie. Une académie où on parle de foot avec des jeunes et le foot, c'est assez vaste, mais je vous propose de regarder ici quelques extraits. Des origines modestes, Maradona est né le 30 octobre 1960 à Villa Fiorito, une petite ville pauvre de la banlieue de Buenos Aires. Et après, Buenos Aires, ça c'est la classe, les gens disent des fois Buenos Aires, machin, les trucs. Mais toi, il faut que tu dises une petite ville pauvre de la banlieue de Buenos Aires, en Argentine, cinquième, genre c'est évident quoi, de Buenos Aires en Argentine, cette blague, c'est pas au Brésil, de Buenos Aires en Argentine. Et River, lui, joue dans un stade qui s'appelle le Monumental, qui est le plus grand stade du pays. Alors la Bombonera, ça doit faire 60 000, et le Monumental, ça fait 80 000. Moi, c'est apprendre les coulisses du métier. Les coulisses du métier. D'accord. Moi, j'aime bien les journalistes quand ils parlent à la fin du match. Je voulais en apprendre plus sur le foot. Essayez de vous mettre un peu dans la peau d'un journaliste. Bah, moi, j'aurais mis De Jong à la place de Busquets. Il n'y avait pas de sifflet. Il y avait un mouchoir blanc. Alors, il faut encore voir, tu vois, si le mec agite le mouchoir blanc. À partir de là, on peut estimer que c'est l'Angleterre du Nord, c'est l'Angleterre industrielle. D'accord? Tu vas me situer Manchester. Aïe, 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 aïe. Bravo! Emma, tu vas me situer Southampton. Bravo! Ah, River, faut soutenir vos équipes. Vous n'êtes pas des Inchas! Inchas, c'est le nom de supporters pour les Argentins.